Oui, la technique avec une grande lettre, une initiale, est... Oh, Martin, stop, pardon. Ah. Un de mes très bons amis est un très très grand a été un très très grand chirurgien et dans une discussion que l'on avait sur ces problèmes de la technique, les progrès de la technique, et on lui a dit, mais enfin, voyons, vous qui êtes un grand chirurgien, vous savez bien tous les progrès de la technique chirurgicale, etc. Et c'est un homme qui a beaucoup d'humour. Et il a dit, bien entendu, je connais très bien les progrès de la technique médicale, mais est-ce que vous vous posez la question? Nous pouvons, par exemple, remplacer un cœur, remplacer un foie, remplacer des reins, mais d'où viennent ces reins, ce cœur, ces poumons, d'où viennent-ils? Il faut qu'ils soient sains. Il faut qu'il soit en bon état et pas atteint d'une maladie. Il faut qu'il soit frais. Alors il n'y a qu'une véritable source, ce sont les accidents automobiles. Alors si vous voulez multiplier ces opérations, il faut multiplier les accidents automobiles. Si vous voulez diminuer les accidents automobiles, vous diminuerez les remplacements de ces opérations magnifiques. Alors, évidemment, tout le monde a été un peu étonné, un peu choqué. Mais avec son humour, il posait une vraie question. Une des illusions qu'on cherche à développer dans l'homme moderne, c'est de lui faire croire que la technique le rend plus libre. Si vous utilisez tout un tas de moyens techniques, vous êtes plus libre. Libre de quoi? Ah, vous êtes libre de manger des bonnes choses. C'est vrai. Si vous avez l'argent,
Vous êtes libre d'avoir une auto qui vous permet de voyager. Vous êtes libre d'aller à l'autre bout du monde, de visiter Tahiti. Vous voyez, la technique vous permet d'être libre. Vous avez des images qui viennent du monde entier. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc, vous avez un univers libre devant vous. Je pense à un petit fait. L'auto. Eh bien, au moment des vacances, 3 millions de Parisiens, chacun va décider tout à fait librement qu'il prend son auto pour aller vers la Méditerranée. Ils sont 3 millions à décider librement de faire la même chose. Alors je dis, est-ce que vraiment l'auto est un moyen de libération? Sinon, absolument pas une seconde réfléchie qu'ils sont en définitive rigoureusement déterminés par l'appareil technique, par le genre de vie qu'ils mènent et qu'ils sont une masse en définitive parfaitement cohérente. Or, c'est très difficile dans une société comme la nôtre, précisément, que l'homme puisse être responsable. Je prends un exemple simple, un barrage électrique qui craque. Bon. Qui est responsable? Il y a ceux qui ont, les géologues qui ont fait l'étude du terrain, il y a les ingénieurs qui ont établi le profil du barrage, il y a les ouvriers qui ont construit le barrage, il y a les hommes d'État qui ont pris la décision de faire le barrage à cet endroit. Qui est responsable? Personne. Il n'y a jamais de responsable, nulle part. Et dans toute la société technicienne, parce que les tâches sont toutes particularisées, c'est-à-dire divisées en petites fractions, il n'y a jamais de responsable. Mais en même temps, il n'y a jamais d'homme libre. Ils sont tous insérés à un certain niveau du travail à faire, et puis c'est tout. Et je pense à cette excuse épouvantable qui a eu lieu. Pour moi, ça a été une des choses les plus épouvantables que j'ai entendues. Le gouverneur, à un moment, le directeur du camp de Belsen, pendant les procès d'Auschwitz, on lui a procès de Nuremberg, au sujet d'Auschwitz et de Belsen, on lui a demandé, mais enfin, vous n'étiez pas effrayé par tous ces cadavres? Il a répondu, mais que voulez-vous? Les fours crématoires étaient insuffisants, je n'arrivais pas à brûler tous les cadavres, ça me créait des difficultés extraordinaires. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'avais pas le temps de penser aux gens qui mouraient. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le problème technique de mes fours crématoires. Là, nous sommes en présence de l'homme totalement irresponsable, qui n'a qu'une tâche technique à faire, et le reste ne l'intéresse pas.
dans une société que l'on peut appeler traditionnelle et comme la société médiévale occidentale, qui est traditionnelle, la technique est subordonnée à un certain nombre d'impératifs, par exemple des impératifs religieux. Dans certaines civilisations, on n'avait pas le droit, par exemple, de labourer la terre avec des instruments en fer, parce que la terre était considérée comme la mère et qu'il ne fallait pas la blesser avec un outillage trop dur. Et c'était un impératif. De la même façon, les Égyptiens n'ont pas adopté la roue, alors que les Hyksos connaissaient la roue depuis longtemps, les Égyptiens la connaissaient aussi, mais ils ne l'ont pas adoptée parce que la roue représentait le cercle solaire et que l'on n'avait pas le droit d'utiliser matériellement le cercle solaire pour des besoins purement matériels. Je ne crois pas effectivement que la technique ait, dès le début, contenu les mêmes éléments que maintenant. La technique, c'était un moyen d'effectuer quelque chose. Et que ce soit la technique du sculpteur ou la technique de l'agriculteur ou la technique de la chasse, etc., c'était toujours une technique qui était relativement stable, qui ne changeait pas beaucoup, qui était quelquefois extrêmement habile. Les techniques de chasse, par exemple, des Bushmen, était quelque chose de tout à fait étonnant. La façon dont ils arrivaient à tuer des éléphants, c'était stupéfiant. Mais c'était très habile, mais ça ne comportait pas l'élément, je dirais, de démesure qui a caractérisé la technique de notre temps. Et c'était une technique qui restait la même, transmise de génération en génération, avec très très peu de modifications. On connaît, on a fait quand même l'histoire des techniques pendant l'époque romaine ou pendant le Moyen-Âge. On mettait 100 ans à changer une technique. Alors, il y avait bien entendu un élément d'efficacité, qui existait, ça oui, mais il y avait l'élément de stabilité qui compensait complètement. Au Moyen-Âge, dans les impératifs religieux, d'une part du christianisme, d'autre part, toutes les croyances paysannes concernant le travail, etc., tout cela était dominant par rapport aux instruments, à l'appareillage. À partir du moment, 14e, 15e siècle, dans le monde occidental, où on a critiqué complètement tout ce que l'on a, tout ce que l'homme croyait, tout ce à quoi il tenait, où on a mis en question la tradition, très important. C'est pas dans les sociétés anciennes, tout se faisait par tradition, et brusquement, au XVe siècle, en France par exemple, on va brusquement balayer la tradition, ce n'est plus la chose importante, les coutumes sont mises en question, etc. Alors, brusquement, l'homme s'est senti en quelque sorte libre de faire n'importe quoi. Et puis, en même temps, on découvrait, au point de vue scientifique, un certain nombre de, disons, de vérités qui mettaient en question les croyances jusqu'alors dominantes.
Et le fameux débat autour de la Terre qui est au centre du monde ou pas au centre du monde, etc., ça a été très caractéristique.